Escalier, douche. Ouais, escalier, douche. Toujours stressant de se balader en fait. Oh la vache! Ok, bon, ça c'est bien, c'est pour notre mitraillette, ça va. Notre pistolet mitrailleur, cool. Bon, ça c'est sympa. Allez pas me donner une nouvelle arme, s'il vous plaît, hein, parce que là j'en ai un peu trop. Il faut revenir au salon, on va passer par le salon, on va aller au hall. Décontracte, cool. Là, j'avoue, c'est plus simple pour Claire quand elle retourne au RPD. Il n'y a pas Mister X. Et les zones. Il n'y a pas vraiment grand-chose à prendre dans les zones. Alors, on est salle de conférence. Là, par contre, ça risque d'être la merde. Pas attention à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, c'est pour le fusil. Munitions pour fusil électrique contiennent des aiguilles capables d'infliger d'importantes décharges. C'est bon. A entendu de l'autre pièce. Le fait de courir aussi, c'est extrêmement dangereux dans ce jeu. C'est super bien fait. Bon, on a fini. Là, il y a des objets apparemment. Merde. Ouais, non, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Alors, est-ce que ça va me remettre des munitions ou pas? Yes! J'ai gagné 26 balles gratuites. Cool. On va garder ça, le pistolet et le taser. À la limite, j'ai envie de prendre des munitions spéciales, afin de prendre cette arme-là. Là. Pour avoir, genre, des munitions spéciales de côté. Enfin, genre, une arme avec un chargeur plein, et ça devrait faire mal, en théorie, je sais pas. Je sais pas trop. C'est tout qui prend beaucoup de place, en fait. On va faire comme ça. Après, on pourrait utiliser du 9 mm, mais bon, toi aussi. Mais... la merde. Ah, 9 rubans encore, c'est le max. Alors, cela. Ok, on est bien comme ça. C'est pas le tir, on continue.
Alors, ouais, on a une place. Ouais, bah, du coup, on n'est pas resté longtemps hein, dans le RPD. Hein. Vraiment pas resté longtemps. Alors faut qu'on ouvre le casier. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Ouvre le casier, on récupère les prises, enfin la prise qui nous reste, qui nous manque. Et on est bon. Et on peut aller sauver Sherry et après, dernière ligne droite, labo d'Ombrella je crois. Personne. Ok, personne. Alors c'est où que j'ai les CD? Ok. C'est la salle. Ah non, on a déjà pris. On a déjà pris. Salle de contrôle. Avec des grenades incendiaires, cadenas. Ouais, comment on retourne à la salle de contrôle? Comment on retourne à la salle de contrôle? Les couteaux, si on descend là, on va où? Canal inférieur. Et après on arrive là, on prend cet escalier je crois. Et on arrive là. Couloir de droite. Là où il y a le gros monstre, couloir de droite. Ah oui, d'accord, c'est là alors, le canal inférieur, couloir de droite, c'est bon. Donc on va glisser alors. Enfin, si j'ai bien... Ouais, on est bien. Qu'il était en train de faire? Il avait la gueule tout allongée, on dirait qu'il était en train de sucer quelque chose. Ou boire de l'eau peut-être. Peut-être boire de l'eau. Ok, là par contre il y a des zombies, fais chier. Attends, on est là. Encore eux qui dérivent sur la droite et la gauche, hein, les trucs, hein, putain. C'était quoi le code? Je me rappelle plus. Pas la brochure sur moi. Ah, attends, là c'est orphelinat égout. Ah, égout. SZF, c'est ça? SZF. Jill serait fier. La blague. Tada! On est de retour là. On a des balles maintenant.
50. Ah, maintenant il faut récupérer. Il faut aller récupérer la prise. Ah, fait chier, faut faire, faut refaire tout le tour. Comment gaspiller des balles, charge de l'atelier. Ouais, c'est ça. Ça va, on y arrive. Beaucoup d'aller-retour. T'es sérieux, t'es à côté de... Je vais m'en sortir. C'est pas ce qu'il fait là-bas, lui. On va ouvrir la porte avec les pièces et on va sauvegarder. Comme ça, on aura une belle sauvegarde avant de continuer. Comme ça, on a bien récupéré tous les objets et tout ça. Là, on est bien, là. Là, on est plutôt bueno. Alors, bon, le pion, il est là. Alors après, ça nous dit que le cavalier n'est pas à l'endroit indiqué. Donc là, il n'y a pas de cavalier, apparemment. La tour est à côté du cavalier, mais pas en face de la reine. Et le roi n'est pas à côté de la reine, mais en face du cavalier. Au bout. Le roi n'est pas à côté de la reine, mais en face du cavalier au bout. Alors, là, ça pourrait être cavalier, parce qu'il peut pas être de l'autre côté. Le roi n'est pas à côté de la reine, mais en face du cavalier. Le roi. Vous me dites hein, si je prends le puzzle dans le mauvais sens. La tour est à côté du cavalier. Donc la tour. Face de la reine. Pas en face de la reine. Ça c'est quoi? C'est là la tour? Donc ça c'est le roi. Enfin non, ce qui nous reste, le fou. Et là la reine. Yeah. Ok chérie, me voilà. Ah les bons puzzles. Bon puzzle à la Resident Evil. Par contre, qu'est-ce qu'on prend comme arme? Je sais plus ce qui se passe là. Qu'est-ce qui s'était passé quand on avait sauvé Ada? On s'est retrouvé à l'extérieur, je crois. On va voir. On va prendre une grenade. Oh putain, on en a plein des grenades, j'avais même pas vu. Je pensais qu'on en avait que deux, mais ça stack.
On en a 5. Ok, on va prendre 2 grenades. On va garder un soin. On va garder ça, ça. Et le pistolet avec un chargeur. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas pour sauvegarder, ça, pardon. On retrouve au labo. Ah ouais, ok. Ouais, dernière ligne droite, là, ça y est, c'est fini. Ah, mais on risque de combattre Birkin, non? Bon, c'est pas grave, on verra de toute façon. De toute façon, on a la sauvegarde juste avant, c'est pas grave. On a la sauvegarde juste avant. Ah, je me rappelle maintenant, oui, avec... avec la grue, là, pour le faire tomber. On va voir s'ils font exactement pareil. C'est bon. Merde. Passé. J'aurais dû me douter que tu reviendrais. Ah, il aime sa fille, hein. Du coup, on n'a pas grand chose là. Je vais lui balancer la grenade pour le mettre à terre. Bon ben, on est reparti. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'utiliserait pas le lance-grenade avec les grenades acides pour voir un peu. Pour voir un peu les dégâts. Alors, comment on change RB? Merde, putain, c'est quoi RB? C'est là.
On est déjà plein par contre. C'était quoi? Il l'a fait très vite. J'ai dû me douter que tu reviendrais. Une pause de faim, il est bien chiant. Danger, t'es sérieux? Oh putain, vite. J'ai une petite surprise pour toi. On est toujours ok. Ça va. Ok, même. Ça a l'air d'être un peu de la merde, les grenades acides, je veux pas dire, mais... Bah, je sais pas. Ça a l'air d'être un peu bof. J'ai pas l'impression que ça lui fait extrêmement mal. En théorie, ça devrait lui faire très mal. On est reparti. La. Ugh.
Ouais, en théorie, c'est... Les grenades acides, c'est tueur de boss, quoi. J'aurais dû me douter que tu reviendrais. Faudrait que je lui balance plus de grenades, peut-être. Parce qu'on en a plein aussi de côté en réserve. On va faire un mix de acide et grenades. Un frag. Pour les liqueurs à la limite, ça les one shot. Attends, on va encore s'amuser un peu. Merde. J'avais pas... Quand il a fait sa dernière attaque, quand il m'a sauté dessus pendant que j'appuyais sur la touche, je me suis dit c'est mort là. Je pensais vraiment pas qu'il allait en continuer d'enchaîner. Ah putain, fais chier William là. À plus clair. J'ai envie de tester le fusil électrique maintenant. Voir un peu ce que ça fait. Donc faut tirer apparemment dessus, enfin sur une cible, et après faut maintenir la visée pour que ça continue d'électrocuter. Je veux juste voir si ça le stun. Je sais pas.
Je crois que j'étais bloqué. J'aurais dû me douter que tu reviendrais. Y'a pété ! J'espère que c'est bien ce truc électrique par contre. Sur les boss en tout cas. C'est un peu nul sur William. T'es obligé de maintenir en fait. Donc c'est de la merde. Oh la vache. Putain t'es chiant. Non, mais ça sert à rien. J'avais dans l'espoir que ça le stun pour de vrai en fait. Genre qu'il bouge plus pendant qu'il se fait griller. Mais là non, ça là ça marche pas. Enfin ça marche pas, ça fait des dégâts mais c'est tout. Mais c'est pas utile pour lui. On va dire que c'est pas pratique surtout. Ouais, ça sera sûrement bien, ouais, contre truc plus petit. Je dirais Licker, ça peut être pas mal. Je pense que le Licker, il doit être paralysé par la décharge. On va tester. On peut le voir hein. On peut le voir hein. Oh, la vache. Enfin ouais mais il est super rapide. J'aurais dû me douter que tu reviendrais. Allez, on commence déjà dans le jaune, c'est bien. Déjà ? J'ai une petite surprise pour toi.
joueur joue encore. Ciao. Demande lui un hardcore, je l'ai vu direct. Chérie. C'est plus long que prévu. Peut-être lui faire un certain nombre de dégâts. Je pense, non? Je dirais. Pour que ça marche. Parce que bon, oui, normalement, là, il était. On l'a fait quand il était à terre. Et la première fois, ouais, il a résisté. Donc, c'est peut-être vraiment lié en fait aux dégâts, surtout. Plutôt que. Faut le faire quand il est à terre. On a tout. On nous reste ça. Ouais. Bon, déçu des grenades acides. On va peut-être plus trop en fait, des grenades acides. On va privilégier les balles du. Enfin, je crois, j'en sais rien, honnêtement. Les balles du fusil d'assaut. Là. Enfin, du pistolet mitrailleur. Chérie? Maman est là. Chérie? Chérie, est-ce que tu m'entends? Chérie? Claire? Chérie, est-ce que ça va? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Je viens l'aider. Chérie a reçu l'embryon. On ne peut pas la sauver. Non mais vous vous foutez de moi! Vous êtes sa mère! Alors venez ici! Tu ne comprends pas! William est toujours en vie, et si je ne l'arrête pas? Ça suffit, j'en ai assez entendu! Attends. Attends. Je peux la soigner. Dans mon labo. C'est pas loin d'ici. Maman? Des millions de vies sont en jeu. Chérie, maman t'aime, trésor. Adieu. C'est pas possible, je rêve. Chérie, t'en fais pas. Je vais trouver ce dont tu as besoin. Pourquoi tu fais tout ça? Je tiens à toi. Merci, Claire. C'est mignon. Oh non, on la porte. Tu vois la tête? Ah! Me touche pas trop. Ça, tu reposes sur la veste? Ouais, ça va. Pas sur la peau, hein, parce que... Ça a l'air d'être dégueulasse, quand même. Hein. Allez, on y va, chérie. Je sais pas où on va. Où est-ce qu'on va? Ah, au funiculaire, non? Par où on passe? Voilà. Non. On monte. Annette a dit que son labo n'était pas loin. Attends, le funiculaire. Oui, funiculaire. Let's go. On y va. Par contre, c'était où? C'était là. Ok, vu que tu peux pas ouvrir les portes, les portes sont miraculeusement ouvertes. Tiens bon, chérie. Pas de problème. Tout va s'arranger. On y va. Let's go. On y est presque, chérie. On y est presque. Ah, maintenant je fais un remake de Resident Evil 6. Hein. Le funiculaire. Avec. Avec Sherry, mais. Plus. Plus vieille, enfin plus âgée. Avec, avec l'œil bizarre et tout, ce serait trop classe. Là. Ok. Voilà. Accroche-toi, chérie. Je te promets que ça va aller. Bon,
J'espère que j'ai rien oublié. On pourra pas revenir.